Coucou, bonjour. Bienvenue chez Ed and Grace, comme je dis dans les vidéos, ou chez Facile d'être végétalienne. Comment ça va? Comment vous allez? Dites-moi même si vous regardez en rediffusé, pas en direct. Donc c'est encore un direct du jeudi. Je vous laisse arriver. Aujourd'hui, on va faire une sauce que vous pourrez utiliser pour vos plats. Une sauce qui est vraiment légère, qui n'est pas grasse, mais qui est quand même délicieuse. C'est une sauce pour toutes celles et ceux qui veulent aussi perdre quelques kilos, s'affiner. Et je me réjouis de la partager, c'est hyper simple, comme d'habitude. Alors, on va faire aussi les cartes pour ceux qui veulent. De l'île Massé, où j'ai aussi sorti aujourd'hui, ce soir, les cartes de Angel Prayers. C'est en anglais, mais je vais traduire. Donc, on tirera aussi des cartes, mais pendant que ça cuit, parce que non seulement on va faire une sauce ce soir, mais en plus, on va aussi la mettre au four avec quelque chose d'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour notre sauce? Pour ceux qui arrivent, dites-moi coucou si vous avez envie. Dites-moi d'où vous venez. Comment est-ce que vous mangez? Est-ce que vous avez envie aussi d'avoir des astuces pour perdre quelques kilos? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, comment ça va? Faites-moi un coucou, ça me fera plaisir. Comme ça, je serai moins seule. Et puis, moi, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour la petite sauce. Je vais vous montrer aussi les biscuits qu'on a fait hier. Vous avez ces biscuits sur notre blog et site edengrace.ch. On a plein, plein de recettes là-bas, si jamais. Et si jamais aussi, en ce moment, on offre notre e-book de 10 desserts crus. Il suffit d'aller sur le site et vous pouvez vous inscrire et recevoir notre e-book de magnifiques desserts crus. Hein. Il y en a 10. Et vous avez aussi de jolies phrases dans ce e-book de développement personnel parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc n'hésitez pas aussi d'aller sur le site. Je vais le mettre là si jamais. Alors c'est edengrace.ch. Hop, vous ne voyez plus. edengrace.ch, voilà, c'est ça. Vous pouvez aller là-dessus et recevoir, vous inscrire et recevoir notre e-book de 10 desserts crus. Alors, on va commencer par la sauce. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des patates. Déjà cuite, j'en ai 4, 4 patates. On va utiliser du poivron, la moitié parce que celui-là il est grand. Poivron rouge, je vais utiliser aussi des tomates ou sinon si vous avez une sauce tomate, vous pouvez aussi l'utiliser. J'ai aussi un oignon qui est cuit, vous pouvez aussi mettre de l'oignon frais. C'est tout, je vais utiliser aussi du sel, de l'ail en poudre. Et puis j'ai pris aussi du smoky barbecue, c'est des épices, différentes épices, et aussi du poivre de Cayenne, origan, je sais pas comment on dit en français, origan, tomates, bon il y a plein de choses en allemand, mais c'est tout un mélange de smoky, ça veut dire de barbecue mais fumé. Et puis, je vais mettre aussi de la levure de bière pour que ce soit un peu plus cheesy, comme on dit. Et je vais mettre un petit peu de piquant. Ça, c'est des pepperoni, des piments en fait, mais pas très piquants. Donc, je vais mettre un bout si vous aimez le piquant. Et puis, voilà, on va mettre ça dans un mixeur. Je vais vous montrer peut-être en direct exactement ce que j'utilise. Voilà, vous avez les pommes de terre, vous avez l'oignon, les tomates ou sinon une sauce tomate, une partie du poivron qui n'est pas cuit. Voilà, et puis là vous avez les piments, du sel,
Du smoky barbecue. Et puis ici, c'est de l'ail en poudre. Bonsoir Brigitte, coucou, merci d'être là. Et puis aussi de la levure de bière. Et puis on va mettre tout ça dans mon mixeur. Je vais tourner. Vous avez vu les cartes derrière? Ah oui, et puis je vais mettre aussi de la nette. J'ai de la nette fraîche. J'adore ça. Après, vous pouvez mettre aussi ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Et j'ai préparé pour utiliser cette sauce, j'ai préparé quelque chose. Donc, c'est des légumes. Il y a une patate qui est déjà. Des patates hein, qui sont déjà cuites. Elles font partie de celles que j'ai cuites aussi pour la sauce. Et aussi de la courgette, par contre, qui n'est pas cuite, qui est coupée finement. Ça sonne. Coucou Annette. Ça va, ça s'arrête, c'est bon? Et puis voilà. Donc on va mettre là-dessus. J'étais perturbée par les sonneries, c'est pas grave. On va mettre notre sauce là-dessus et on va cuire au four. C'est ça qui est génial. Vous allez avoir une sauce. J'ai mis fromage. C'est comme une sauce au fromage, comme une certaine béchamel, mais c'est très très léger et c'est délicieux. Je vais mettre aussi le four en marche. Voilà, on met le four en marche et puis on va cuire ça. Donc je vais mettre dans mon mixeur. Donc j'essaie de vous montrer ça. Est-ce qu'on arrive à filmer comme ça? Sans que ça tombe. Ça tient. Donc, je vais couper les patates. Coucou, ma Zozoa. Pardon, j'arrive jamais à prononcer ton prénom. Alors, si jamais je mets toujours le jour avant ce que je vais faire, donc normalement vous pouvez voir aussi les ingrédients, vous pouvez voir ce que je fais. Donc, je fais une cheesy sauce. Donc là, j'ai mis les pommes de terre dans le mixeur. Je mets l'oignon aussi, qui est cuit. Les pommes de terre sont cuites aussi. Et puis, on va mettre aussi le poivron. Je vais couper. Et c'est une sauce que vous pouvez faire en plus grande quantité et l'utiliser après. Elle peut rester au frigo, je veux dire, quelques jours. Vous pouvez l'utiliser pour vos légumes, vous pouvez l'utiliser pour vos pâtes, pour plein de choses en fait. Je mets presque tout le poivron, c'est ce qui me reste. Je vais vous montrer. Voilà, là il y a le poivron qui n'est pas cuit, comme j'ai dit. Je vais mettre deux petites tomates comme ça. Da? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je mets la deuxième tomate. Bien sûr, elle peut venir. Donc voilà, j'ai mis la tomate. Et puis là, on va mettre les épices. Comment vous allez, dites-moi, Brigitte, Annette et Mazozoa? Ah, j'ai réussi à prononcer. Donc là, on a tous les légumes. Je vais mettre de l'ail. Je vais mettre ces épices qui sont un peu fumées. C'est super bon. Après, si vous n'avez pas exactement les mêmes épices, vous pouvez mettre ce qui vous plaît à vous. Le sel. Je vais mettre
un bout de piment. Je vais mettre la moitié. Je vais couper un petit peu. Juste goûter pour voir. Ouais, c'est des piments qui sont pas très forts. Donc je vais mettre tout parce qu'il est pas, il est pas piquant, pas très fort. C'est juste un tout petit peu pimenté. Voilà. Et puis je vais mettre un petit peu de l'eau des piments. Vraiment tout petit peu. Après, je pourrais rajouter si c'est pas assez liquide. Je vais mettre aussi de la levure de bière. Ça, c'est quelque chose qui rajoute le goût un peu de, qui ressemble au fromage. Voilà. Est-ce que vous savez que la levure de bière est très bonne pour nous? Je mets 2 cuillères. Et ce que je vais mettre, j'y pense, pour saler, c'est mon eau, l'eau de mer, que j'aime beaucoup. Isotonique, c'est vraiment plein de bons minéraux. Vous avez, si vous mettez Eden Grace, en fait, comme mon nom, vous avez un pourcentage sur votre première commande. Je vous mettrai le lien après sous la vidéo. Donc je mets ça pour saler un peu et pour apporter plein de bons minéraux, plein de bons éléments en fait pour reminéraliser notre corps. Voilà. Et on va mixer ça. Je suis pas sûre que j'ai assez de liquide. Je pense que je vais mettre un petit peu plus de liquide ici. Hop. On va voir. Je vais faire un peu de bruit, hein. On voit très bien, content d'être là. En fait, on prononce Mazushu. D'accord, hein. Le O prononce U. Mazushu. Mazushu, d'accord. Je vais essayer de me rappeler. Je vous montre ce que je suis en train de faire. Voilà. Je vais mixer avec mon mixeur. Ça, c'est un bon mixeur si vous voulez investir. Le BlendTech. Bon, je vais lâcher quand même le... Je vais lâcher le téléphone parce que je peux faire tenir. Si je... Oui, c'est pas assez liquide, on va devoir mélanger. Je vais mettre un petit peu d'eau, là j'ai ma bouteille d'eau. On va devoir mélanger un petit peu. C'est un bon goût en tout cas. Hop. Je vais vous mettre dans l'autre sens, comme ça vous voyez ce que je fais. Hop. On verra mieux. O se prononce OU. D'accord. Alors. Un petit bouquet.
qui ne se mélange pas. Comme ça, je vais goûter en même temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oui. Alors, est-ce qu'on voit? Vous voyez la consistance? C'est assez consistant. C'est pas très très liquide, mais c'est quand même liquide. Hein? Voilà. Je vais poser mon téléphone. Voilà. Super bon. C'est un tout petit peu piquant. Et comme je vous ai montré tout à l'heure mes légumes, donc il y a la patate déjà cuite et puis il y a de la courgette. On va mettre par-dessus la sauce. Là, j'en ai fait un peu plus, hein, la sauce, donc je ne vais pas mettre tout. Voilà. Et on va mettre au four. Attendez, je vais vous montrer comme ça. C'est plus facile. Couleur de cheddar ou de mimolette. C'est ça? Vous voyez? Ça a l'air... C'est un délice que je vais mettre au four. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre encore un tout petit peu de levure de bière par-dessus. Je vous montre ce que je fais. Voilà, je mets ça comme ça. Vous voyez cette beauté? Et ce que j'ai oublié de mettre, c'est la nette, mais c'est pas grave, on pourra rajouter. Donc je mets ça au four. Je mets un petit peu plus fort et je vais regarder environ 5-10 minutes maximum. Et le reste de notre sauce, on va mettre dans un bocal. Et ça, je pourrais utiliser pour les prochains repas, pour mettre avec mes légumes. J'aurai déjà quelque chose de prêt, ce qui est génial. Est-ce qu'on voit? Bonsoir Pierre, bienvenue ici, comment ça va? Adri, tu vas aller chercher Coco? Ah, c'est toi, ok. Mon fils qui va sortir le chien. La petite Dara. Alors, voilà. On peut lécher le reste. c'est délicieux. C'est super bon. Je vais mettre l'eau. Voilà. Donc, on a une petite sauce qui reste, vous voyez. Et ça, je vais mettre au frigo et on peut garder quelques jours au frigo hein, pour utiliser. Sur nos légumes. Et c'est beaucoup plus sain que les sauces à la crème avec du fromage, etc. Et c'est aussi délicieux.
En fait, en mangeant comme ça, je me rends compte que on se déshabitue des goûts forts. Des goûts qui sont faits par l'industrie, hein, par l'agroalimentaire, pour que ce soit tellement fort qu'on soit addict. C'est produit pour qu'on ait toujours soif et faim. Donc, en mangeant comme ça, on se déshabitue justement de ces goûts-là et on n'a pas besoin de goûts hyper forts pour avoir du plaisir à manger. Et ce qui est un peu délicat, c'est d'être un peu entre les deux. Je trouve que c'est ce qui est un peu plus difficile. Mais on y arrive. Coucou Sylvie, bienvenue. Bienvenue ici. Nous avons préparé une petite sauce délicieuse, nacho, de légumes que j'ai mis sur des patates et courgettes au four. Et là, on est en train de cuire. Et en attendant, est-ce que ça vous dirait qu'on tire une ou deux cartes? Comme c'est aussi quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup aussi parler de tout ce qui est développement personnel, bien-être, yoga aussi. Est-ce que c'est des thèmes qui vous intéressent? Dites-moi. Moi, j'aurais bien aimé tirer une carte pour les anges. Oui, tu peux regarder le replay, hein, Sylvie, volontiers. On met aussi les vidéos sur YouTube et aussi sur la page Facebook. Donc là, j'ai des jolies cartes Angel Prayers. C'est en anglais, mais c'est pas grave. On va traduire. On va parler aussi anglais. Les anges, oui, j'adore aussi. Elles sont belles les cartes, regardez, elles sont toutes. Les autres, elles étaient dorées, celles de Lilou, elles sont dorées et celles-ci, elles sont argentées. Elles sont magnifiques. Alors, on va faire comme ça. Je vais prendre une carte. Hop. Qui dit Open your heart. Ouvre ton cœur. C'est l'archange. Chamuel, peut-être c'est Samuel. Thank you, Chamuel, for removing the barriers around my heart. Merci, Samuel, pour d'enlever en fait les barrières autour de mon cœur. C'est beau, hein? Donc, ouvrons notre cœur et réfléchissons et puis, oui, faisons des actes. D'un cœur ouvert. N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur. C'est tellement différent, on se sent tellement mieux quand on est un être humain qui est de cœur ouvert. Parce qu'après, on attire aussi des personnes qui sont comme ça et on rentre dans une autre dimension qui est vraiment magnifique. Qui est très très douce à vivre, je trouve. Est-ce que vous voulez aussi tirer une carte de Lilou Massé? Et après, on sortira les légumes. Et je voulais aussi vous dire, j'ai commencé à partager beaucoup de choses, des petites astuces aussi de comment j'ai déjà perdu. Je crois que je suis à 3 kilos de moins. En mangeant de cette manière-là. Oui, Lilou Massé. Là, c'est des cartes qui sont pour le défi des 100 jours. Parce qu'elle fait beaucoup de défis différents, Lilou Massé. Et j'aime beaucoup. Oui, ouvrons notre cœur. Les siennes, elles sont dorées. Vous voyez? Elles sont toutes belles. J'aime beaucoup, elles sont toutes petites. Mimi, toutes mimi. C'était un message pour moi, je crois. Alors,
Une carte. Comment fais-tu pour les salades si tu ne rajoutes pas d'huile? Merci Sylvie pour ta question, parce que comme ça permet justement de rentrer dans le concret. Les salades, moi ce que je mets, c'est du vinaigre balsamique que j'ai trouvé. J'ai trouvé une vinaigre vraiment délicieuse. Je vais te la montrer tout de suite. Je vais te la montrer tout de suite. En fait, il y a plusieurs sortes de celle-ci. C'est une crème. Et je l'appelle crème. Là, c'est aux fruits. Et il y a aussi aux fruits rouges. C'est les. J'ai plus le nom maintenant, mais c'est. Il y a aux fraises. Il y a différents goûts en fait avec ça. Et c'est comme une, c'est très crémeux. Donc, quand je mets ça sur la salade, franchement, si je mets aussi un petit peu de jus de citron, un petit peu d'ail. Et si, j'ai presque pas besoin même de sel. Je mange la salade comme ça. L'huile ne me manque absolument pas. Ah, merci ma Sarah. Moi aussi je merci pour toutes vos belles énergies. Ça me fait tellement du bien. Vous ne pouvez pas savoir. Vous m'apportez en tout cas autant, même plus de ce que moi je peux vous apporter. Donc continuez comme ça, continuons, ça fait beaucoup de bien. Donc oui, c'est un vinaigre balsamique. Il y a aussi à la fraise, il y a différents fruits, et puis ça me suffit, Sylvie. Tu pourrais chercher, si c'est pas cette marque-là, il doit y avoir d'autres marques de vinaigre balsamique. Je fais aussi une autre petite sauce que hier je fais même pour les patates. J'ai fait des patates au four hier et j'ai mélangé du ketchup ou une sauce tomate. Je mets toujours quelque chose d'un peu sucré. Donc je mets comment on appelle ça? Pas du sucre, mais je vais vous montrer. J'ai mis de la stevia, voilà, stevia. J'ai mis de la stevia un tout petit peu dedans parce que j'aime bien l'aigre doux. Donc, sauce tomate ou ketchup, stevia pour quelque chose d'un petit peu sucré, et puis de la moutarde. Et c'est un délice. On peut mettre aussi du sirop d'érable. Bon, je suis stressée, j'oublie et tout. Hein. Du sirop d'érable. Donc, les trois ingrédients. Hein. Même juste du ketchup ou sauce tomate avec la moutarde, c'est délicieux. Ou sinon, juste moutarde avec sirop d'érable ou quelque chose de sucré. Mais la stevia, j'aime bien parce qu'il n'y a aucune calorie dedans. C'est un délice pour assaisonner. Et puis, si on met un petit peu de jus de citron, le jus de citron aussi dans la salade, c'est vraiment. Moi, j'adore. Hein, ça, il ne me faut pas grand-chose, même je peux mettre juste du jus de citron. Et si vous mettez des herbes, ça donne beaucoup de goût à vos salades. Ça, c'est de l'aneth. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre de la coriandre, vous pouvez mettre de la menthe. Oui, ou du tahini. C'est vrai que moi, j'évite tout ce qui est noix parce que les calories, c'est très très haut. Bonsoir Ghislaine, bienvenue. Je te fais des bisous. Merci d'être là. Oui, j'évite, mais on peut aussi tahiner avec un peu de jus de citron et un peu d'eau. Ah ouais, je pense que ça commence à être prêt. Encore 2 minutes juste pour voir la carte de Lilou Massé. Est-ce que ça t'a aidé, Sylvie? Dis-moi. Est-ce que ça t'a donné des idées? La paix, j'ai tiré la paix. Je trouve ma paix intérieure et la cultive malgré le chaos. Voilà. C'est notre aussi but ultime, un des buts ultimes ici, qui est le plus grand pour moi, c'est être dans l'amour. Comme on a dit, ouvrir son cœur et être avec un cœur ouvert, être dans l'amour et voir le bon chez chaque personne, chaque chose qui arrive. Et ce qui nous aide, c'est ce qui nous aide à trouver la paix. C'est vrai qu'il y a des jours comme
Moi, aujourd'hui, j'avais tellement de choses à faire, je pense que ça vous arrive aussi, que j'essayais de trouver la paix justement, de m'asseoir un petit moment. Des fois, c'est juste 5 minutes. Il y a une application qui est gratuite si jamais. Il y a plein de choses maintenant sur Internet pour méditer. Et des choses, en fait, c'est des applications qui nous aident parce que c'est tout guidé. Donc, on doit juste s'asseoir et écouter. Ou juste s'asseoir et observer quelque chose pendant 5 minutes, respirer. C'est tellement important dans les moments où on a tout qui va dans tous les sens, la tête qui va dans tous les sens. Donc voilà, je trouve ma paix intérieure et la cultive malgré le chaos. Parce que le chaos, ça peut être le chaos à l'extérieur, mais si à l'intérieur, on prend un moment, on se concentre, on se centre sur soi, juste même on peut le faire maintenant, on respire, on inspire en gonflant son ventre. Et on expire en expirant, en rentrant son ventre. Faites-le avec moi, allez une fois. On inspire. Et on expire. On inspire par le nez. Et on se concentre en fait sur la respiration. On sent l'air rentrer dans nos narines. Et après on expire par la bouche. Et juste de le faire 3 fois. Ça change déjà l'état d'esprit dans lequel on est. Se vider la tête, ça fait du bien. Se recentrer exactement. Oui. Et le tamari ou shoyu, je ne connais pas le shoyu. Mais le tamari, oui, j'utilise. Ce soir, on fait des sushis, donc on va utiliser aussi le tamari ou le soya. Mais c'est vrai que j'utilise pas trop pour les. J'utilise plus pour le riz que pour les sauces salades. Mais tester différentes choses. Oui, important un peu d'introspection de temps en temps dans la journée. Oui, c'est ça. C'est vraiment de prendre un moment pour respirer ou même un plus long moment. Parce que je regardais qu'il y a eu des études, des changements dans le cerveau des gens après avoir fait pendant, je crois que c'était 1 ou 2 mois, 20 minutes tous les jours de méditation, de s'asseoir et de respirer. Il y a eu vraiment des changements dans le cerveau et dans le bien-être de la personne, mais vraiment dans le cerveau, ça a été prouvé. Je le fais le soir. Hein. Oui, Sylvie, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais prendre les patates. Hein. Notre petite sauce. Je vais vous montrer. Ça a l'air. Ça sent super bon. C'est dommage que je ne peux pas vous envoyer les odeurs. Regardez voir ça. Cette beauté. C'est beau, hein? Et on dirait vraiment une sauce béchamel ou. C'est vraiment. Impressionnant. Moi, j'aimerais goûter. Je vais prendre une assiette. Je vais me servir dans un bol. Et puis, les courgettes, là, elles sont bien cuites. J'ai de la salive. Par contre, c'est hyper chaud. Oui, c'est la méditation transcendantale qui recommande 20 minutes 2 fois par jour, matin et soir, et ils l'ont bien étudiée. Oui. Oui, Ghislaine. Mazusoa. Mazusoa? Là, j'ai bien dit, je crois. Venez, je vous invite. Venez manger avec moi. J'ai servi un petit peu pour goûter. Et les courgettes, elles sont bien bien cuites. C'est très chaud. Voilà.
Après, vous pouvez, quand vous refaites la sauce, faites-moi un petit mot pour me dire comment ça a été pour vous, si vous avez aimé. Et comment vous l'avez adapté à vous. Vous pouvez mettre vraiment une base de pommes de terre et après vous rajoutez des légumes que vous voulez, vous, que vous aimez, vous. C'est chaud. C'est super bon. Super, super bon. Merci Pierre, qui me dit bon appétit. Voilà. J'adore. Donc, vous verrez des photos, je pense, avec cette sauce sur la page. Et puis, n'hésitez pas à la goûter, à l'utiliser pour toutes celles et ceux qui veulent manger mieux et qui veulent remplacer tout ce qui est un peu trop gras et pas très sain. Et ceux qui veulent, celles qui veulent perdre quelques kilos, ça peut être vraiment une bonne solution, je pense. Merci Annette qui me dit aussi bon appétit. Bon appétit aussi à vous. Merci d'avoir été là. Je me réjouis de vous retrouver. Par contre, ce ne serait pas jeudi prochain parce que je ne serai pas là. Je vais aller en Corse. Et je vais visiter la Corse pour la première fois. Je me réjouis. Mais ce sera le jeudi d'après. De toute façon, je vous remettrai quelques nouvelles de là-bas. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur le site pour vous inscrire et avoir mon e-book de 10 desserts crus gratuitement. Et puis, mettez like, partagez cette vidéo si vous avez envie. Et puis, je vous fais de gros, 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 gros bisous. À bientôt, à tout bientôt.